Et là, dans ce que je vous propose, c'est de me centrer pendant un certain temps d'abord sur la méthodologie, hein, sur la méthodologie et les objectifs, parce que ça, c'est assez important. C'est très difficile de faire des enquêtes sur des terrains qui sont déjà beaucoup discutés dans le débat public. Et donc, il faut avoir une méthodologie rigoureuse. Je vais passer un certain temps là-dessus. Et puis, dans un second temps, je vous présenterai quelques exemples, notamment des verbatims, des extraits d'entretien, qui illustrent quelques parties du matériau, mais je tiens tout de suite à préciser que c'est juste illustratif, c'est pas représentatif. Si vous voulez quelque chose de représentatif, bah faut lire le livre, quoi. Voilà. Alors, l'ouvrage, il vient d'une enquête qui s'intitule pas laïcité, discrimination, racisme, les professionnels de l'éducation à l'épreuve, mais la recherche elle-même, elle s'intitulait Religion, discrimination, racisme en milieu scolaire. Et c'était une enquête portée notamment par l'Université Lyon 2, mais en partenariat entre autres avec Nantes Université. Et cette enquête a eu lieu entre 2016 et 2021. Elle a eu pour objectif de décrire, analyser et comprendre les pratiques de professionnels de l'éducation à propos de situations ordinaires où ils et elles estiment être confrontés à des affirmations religieuses, à du racisme ou à des discriminations parmi leur public d'élèves, les familles, etc., mais parfois aussi les collègues. Alors, quand je dis 2016-2021, j'imagine que vous vous dites tout de suite, ah oui, c'est une période assez particulière. 2016, c'est en gros après une grande vague d'attentats sur le sol français. Et cela a eu des conséquences sur les débats publics à propos de l'école. Parfois, parmi les débats politiques, médiatiques, il y a eu des doutes exprimés sur les capacités de l'école à former des citoyens qui partagent des principes et des valeurs communes, quoi. En gros, certains se sont posé la question, mais comment c'est possible que sur notre sol, des jeunes puissent arriver à des attentats, des actes terroristes de cette violence? Et bien sûr, c'est une question qui a été posée dans le débat public, mais qui est loin de faire l'unanimité, évidemment. D'autres voix se sont élevées pour dire, bah, si les professionnels de l'éducation font bien leur travail, même s'il y a des attentats sur le sol français, il faut déconnecter ces deux questions. On a une question qui relève, allez, on va dire, du ministère de l'Intérieur, et puis une question qui relève plutôt du ministère de l'Éducation nationale, quoi, pour aller vite. Mais ça n'empêche que le débat public était tendu à l'époque, avec aussi des controverses académiques, alors sur effectivement les discriminations, sur l'opportunité d'utiliser ou non certains termes, comme l'islamophobie par exemple, etc., etc. Donc voilà, je remets un peu le contexte politique et médiatique de l'enquête, dans lequel en fait l'enquête a été prise. On a dû composer avec ce contexte-là, et même dans les entretiens, ça s'est avéré assez réel ce contexte, puisque les professionnels eux-mêmes se positionnent dans leur travail et dans leur témoignage par rapport à ce contexte-là. Ensuite, l'équipe de recherche, Redisco, elle était pluridisciplinaire, elle est toujours pluridisciplinaire, je suis en train de parler au passé puisque le bouquin est sorti, mais en fait, voilà, le travail est terminé, mais le groupe existe toujours. Donc, le groupe est pluridisciplinaire, il y a une majorité de personnes qui font de la sociologie, mais aussi des historiens, historiennes, didacticiens, philosophes, et peut-être d'autres disciplines, je ne suis pas forcément exhaustif, mais en gros, ça fait partie des sciences de l'éducation et de la formation. Et cette équipe était aussi pluricatégorielle, donc on avait des étudiants de master, des doctorants, des chercheurs, disons, en poste, et des chercheurs précaires. Mais la spécificité, je pense, la plus originale, c'est que dans notre groupe, il y avait aussi des professionnels de l'éducation au sens d'enseignants et enseignantes qui exercent quotidiennement en collège et en lycée. Des enseignants d'histoire-géographie, par exemple, de lettres, qui exercent soit en collège et lycée général et technologique, mais aussi en lycée professionnel, et ce, dans diverses académies, à Grenoble, à Lyon, à Aix, à Paris, etc. Donc ça nous a bien aidé parce qu'un des objectifs, c'était de ne pas plaquer des interprétations, disons, de chercheurs sur
ce que font les professionnels, en ayant des professionnels dans notre groupe de recherche qui faisaient des entretiens, qui analysaient le matériau, ben on avait une sorte de garde-fou, hein, ils étaient capables de nous dire « oui, là, vous les chercheurs, vous allez peut-être un peu trop dans ce sens-là en termes d'interprétation, attention, non, le quotidien de l'enseignement, je vous rappelle que c'est pas forcément ça, il faut regarder d'une manière différente. » Vous voyez, on a eu des discussions de ce type-là dans le groupe, ce qui est très riche, et parfois même des désaccords et des controverses, bien sûr, mais qui étaient quand même relativement superficielles. Ensuite, on a un cadre théorique, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est celui de Boltanski et Thévenot, de la justification. Voilà, je vois ceux qui font de la sociologie hochent la tête. Alors, c'est assez classique, hein, c'est un livre qui est paru en 1991, de la justification. Donc, ça fait bien plus d'une trentaine d'années quand même, mais qui a fait son chemin, hein, vraiment, qui est considéré comme un classique dans la sociologie contemporaine. Et puis qui est certes un peu ancien, ce livre de 91, mais qui a été réédité en 2022 avec une nouvelle préface des auteurs. Donc c'est à la fois un classique et un livre actuel. Donc je vais vous donner quelques éléments pour préciser ce que c'est que ce cadre de la justification ou le cadre de ce qu'on appelle assez couramment la sociologie pragmatique. Alors ça, c'était le cadre général, mais ensuite on a d'autres orientations théoriques, par exemple vers la conclusion du livre. On a une approche plus durkheimienne, je pense que vous connaissez Émile Durkheim, mais c'était une manière aussi en conclusion de s'interroger sur les rapports entre l'État et les groupes professionnels. Vous voyez, Durkheim a beaucoup pensé ça, et c'est assez actuel comme question parce que l'État, aujourd'hui, vous le savez, a tendance parfois à définir ce que serait la bonne laïcité ou la mauvaise laïcité, mais on a aussi les groupes professionnels qui, eux, ont des conceptions bien plus plurielles de ce que peut être la laïcité en contexte, en fonction des territoires, etc. etc. Typiquement, vous avez peut-être remarqué, en termes de laïcité, dès qu'il y a un ministre de l'Éducation nationale qui arrive, la conception officielle de la laïcité change. Hein, entre Vincent Peillon, j'espère n'oublier personne, mais Vincent Peillon, ensuite Najat Vallaud-Belkacem, ensuite, Jean-Michel Blanquer, Pape Ndiaye et Yvon Attal. Je fais toujours l'erreur, Gabriel Attal. Vous voyez, il y a des conceptions très très différentes parmi déjà tout, uniquement ces ministres-là. J'en ai oublié aucun, j'espère. Bon. Bref. Donc ça, c'est assez important, cette perspective durkheimienne, pour vraiment prendre en compte ce qu'est un groupe professionnel. D'autant plus que les enseignants, notamment, comme vous le savez, sont souvent, en fait, le plus souvent, fonctionnaires de l'État. Donc, dans quelle mesure ils représentent l'État, dans quelle mesure ils ont une marge de manœuvre ou pas. Voilà, pour le cadre théorique. Et puis, je vais y revenir après pour le préciser. Mais très concrètement, ce qu'on a fait, c'est des entretiens. Notamment, on a fait aussi des observations, mais surtout des entretiens approfondis qui duraient entre 1h et 1h30. Avec beaucoup de gens, je vais vous dire ça tout à l'heure, mais d'abord je voulais vous préciser tout simplement la question d'amorce que l'on a posée aux professionnels au début des entretiens. La question, elle est la suivante. Pouvez-vous décrire une ou plusieurs situations professionnelles que vous avez vécues liées à la diversité sociale et culturelle des élèves et ou de leurs familles dans votre établissement ? Voilà la question qu'on a posée. Donc vous voyez, c'est pas une question sur laïcité, discrimination, racisme, c'est une question plus large sur la diversité sociale et culturelle. Alors, évidemment, vous dites peut-être, bah oui, mais du coup, c'est une question qui est pas très précise. Et oui, diversité sociale et culturelle, c'est très difficile à définir. Mais en fait, l'idée, elle était surtout de donner la possibilité aux professionnels de se saisir de ce mot un peu vague, de cette expression un peu vague, diversité sociale et culturelle, et de dire ce qui, à partir de ce terme un peu vague, est le plus important selon eux, dans leur perception, dans leur établissement scolaire, dans leur pratique au quotidien. Donc par exemple, vous avez des enseignants, mais aussi, alors je dis enseignants, mais il y a aussi CPE, chef d'établissement, AED, AESH parfois aussi. Bref, qui nous ont dit, bah, moi dans mon établissement, la diversité sociale et culturelle,
s'exprime surtout par des inégalités sociales que je perçois, ou au contraire par une homogénéité sociale, un public très bourgeois ou très défavorisé économiquement et culturellement. Mais d'autres nous disaient, bah oui, les questions de laïcité se posent dans cet établissement-là, mais pas dans un autre. D'autres expliquaient aussi, bah pour moi, la diversité sociale et culturelle, c'est surtout les problèmes ou les questions de plurilinguisme. On a des élèves qui parlent plein de langues différentes, c'est très riche, mais qui du coup n'arrivent pas à se comprendre ou qui parfois ne maîtrisent pas bien le français ou qui veulent parler dans une autre langue en classe, etc. etc. Donc voilà, des problématiques très différentes. On a voulu laisser ouverte cette possibilité d'interprétation. Justement, afin de ne pas plaquer une interprétation ou une question de chercheur sur les pratiques. C'est le problème typique en sociologie des sondages d'opinion ou des questionnaires. Vous savez, on pose des questions qui ont l'air assez neutres, mais en fait, on est déjà en train de pré-catégoriser la réalité sociale, en forçant d'une certaine manière les gens à répondre à des questions précises. Alors, j'ai dit la question d'amorce, je vais pas vous faire tout le guide d'entretien. Après, il y a plein de questions qui viennent après dans le guide, qui permettent de relancer et de faire en sorte que ça devienne une discussion assez longue avec les professionnels, donc d'une heure ou d'une heure trente en général. Alors, il y a un premier résultat qui apparaît à partir de cela, c'est que quand on pose cette question sur la diversité sociale et culturelle, il s'avère que seulement 35% des 2725 situations décrites par les professionnels sont effectivement liées à la laïcité, discrimination ou au racisme. C'est-à-dire qu'en fait, la grande majorité des situations décrites, elles concernent autre chose. Donc c'est une façon de dire que notre livre il va focaliser sur un aspect du travail, mais qu'il y a beaucoup d'autres aspects qui existent et qui sont partiellement restitués dans ce livre, mais qui, partiellement non, et qu'il faut quand même avoir à l'esprit. Donc par exemple, les difficultés qu'évoquent les professionnels liées à l'échec scolaire, au manque de mixité sociale et à d'autres sujets afférents tels le nombre d'élèves par classe ou le manque de reconnaissance du métier. Donc voilà, c'est voilà, une alerte sur le fait que on a une enquête relativement large, mais qui est consciente du fait que elle ne saisit qu'une partie, importante certes, mais qu'une partie quand même, du métier éducatif dans les établissements publics et privés. Comme je vais vous le dire tout à l'heure, on a aussi des établissements privés sous contrat dans le corpus. Alors, ce qu'on essaye aussi de montrer, c'est que dans l'enseignement public, du moins, une redéfinition de la laïcité s'opère par le bas et dans les pratiques elles-mêmes. Donc une redéfinition caractérisée par un grand pragmatisme de la part des professionnels, mais qui est une redéfinition qui reste adossée à des principes politiques exigeants. Donc c'est des principes politiques, en gros, qui sont restitués assez bien d'un point de vue méthodologique dans ce cadre dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui de Boltanski et Thévenot, qui distingue des principes politiques assez stables dans nos sociétés modernes, par exemple la logique civique, la logique domestique, la logique de l'opinion, la logique marchande, etc. etc. Donc il y a un certain nombre de principes politiques qui guident l'action des professionnels. Donc c'est une liste de logique d'action qui n'est pas infinie, mais qui est quand même plurielle, ce qui permet des conceptions de la laïcité également plurielles, bien qu'exigeantes. Alors l'enquête s'est déroulée dans 101 établissements scolaires, de 9 académies différentes, Lyon, Grenoble, Aix-Marseille, Nantes, Paris, Orléans, Tours, Versailles, Strasbourg, Dijon. Et on a effectué environ 1000 entretiens, pour être précis, 966 entretiens formels, et également une cinquantaine d'observations dans les classes et hors la classe. Ce qui donne un corpus divisé entre, d'une part, des établissements publics, 66 établissements publics, collèges et lycées, avec des lycées généraux, polyvalents et professionnels, et 35 établissements privés sous contrat, catholiques, juifs et musulmans. Donc c'est une enquête qui, par son ampleur, n'a pas d'équivalent actuellement. C'était un travail long et un travail, je le répète, collectif, avec une douzaine d'auteurs finalement qui contribuent à ce livre.
Également, on a deux chapitres qui concernent le Brésil et la Suisse. Alors, vous allez me dire pourquoi le Brésil et la Suisse. Bah, déjà, ça permet de décentrer un petit peu de nos réalités françaises. Hein, sachant qu'en Suisse, vous avez des cantons laïcs, mais qu'en Suisse, vous avez également un cours qui s'appelle éthique et culture religieuse, qui n'existe pas en France. En France, c'est l'enseignement du fait religieux, ou des faits religieux, mais qui n'est pas une discipline à part, alors qu'en Suisse, la majorité des cantons, ils ont une discipline spécifique consacrée à ces questions. Et puis, le Brésil est intéressant aussi de ce point de vue, puisque officiellement, il y a une laïcité brésilienne, mais dans les faits, ben, vous imaginez bien que cette laïcité, elle est assez différente de celle qu'on connaît en France. En l'occurrence, c'est une laïcité empreinte de religiosité chrétienne. Pour ce qui est de la France, on a également enquêté dans l'île de la Réunion, hein, qui est une région française bien sûr, mais qui permet aussi de décentrer un petit peu le regard par rapport à ce qu'on appelle la métropole. Vous savez peut-être par exemple que dans l'île de la Réunion, il y a la loi de 2004 qui a été promulguée sur l'interdiction du port de signes religieux ostensibles, qui a été, disons, promulgué à Paris, en métropole, mais que dans l'île de la Réunion, cette loi est devenue officielle plus tardivement en 2018. Et puis il y a des spécificités religieuses à l'île de la Réunion qui également permettent de décentrer le regard. Alors, comme je vous ai dit que les entretiens durent un certain temps, c'est des entretiens approfondis, ça me permet de souligner que ce n'est pas du tout une enquête d'opinion qui est présentée dans ce livre. On a proposé, enfin on a mis en place plutôt un protocole de recueil des données qui vise pas à recueillir des opinions mais à accéder aux pratiques ordinaires des professionnels de l'éducation en prenant en compte l'environnement de travail et la temporalité de l'action. Et une des choses qui nous a le plus intéressé, ce sont les épreuves professionnelles. Ce sont les moments où, dans le travail, on sent qu'on est on est contraint de se justifier ou qu'on a du moins besoin de justifier son action parce qu'on sent que l'action qu'on est en train de faire, elle pourrait être remise en cause par un collègue, par des élèves, par des parents, par la hiérarchie, etc., etc. Donc ça c'est assez important, cette question de la justification, c'est un des postulats de notre recherche qui vient aussi de Boltanski et Thévenot et qui consiste à prendre acte du fait qu'aujourd'hui l'institution scolaire, mais ça peut être aussi l'institution universitaire ou d'autres lieux de travail, ne donne plus clé en main d'une certaine manière le sens de l'action, ce sont les professionnels eux-mêmes qui doivent la justifier pour eux-mêmes et vis-à-vis des autres, parce qu'ils savent qu'ils peuvent à tout moment être questionnés sur bah, pourquoi tu fais ça et pourquoi tu ne fais pas autrement. Donc typiquement, on peut imaginer voilà, un enseignant qui dit « moi je vais agir en prenant en compte la réalité de la famille de l'élève, je sais ce qui se passe dans la famille, parce que voilà, j'ai accès à certaines informations, et donc je vais adapter mon enseignement en fonction de ça. » Donc c'est ce qu'on appelle, nous les chercheurs, la logique domestique, la logique qui est dans une certaine proximité, qui prend en compte la personne de l'élève dans son environnement familial. Mais assez fréquemment, un collègue ou un élève ou un parent d'élève, etc., peut venir dire « mais oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire le métier, ça consiste justement à ne pas prendre en compte la réalité familiale, puisqu'il y a une coupure entre ce qui se passe dans la famille et ce qui se passe dans l'établissement, et cette coupure, on tient à la garder. » Et dans cela, il n'y a pas une personne qui a forcément raison et une autre qui a forcément tort, ça dépend justement du contexte. Ça dépend du contexte. Je peux vous donner un exemple, par exemple, lié aux relations avec les familles. Bon, il y a un exemple qui me vient là à l'esprit, qui consiste dans un établissement d'une grande métropole du sud de la France,
Il s'avère que beaucoup de parents d'élèves volontiers serrent la main aux enseignants hommes, mais pas aux enseignantes femmes. Donc, c'est assez fréquent. Jean-Michel Blanquer, par exemple, considère que ne pas serrer la main en tant que parent d'élève à un professeur femme, tout en serrant la main à des professeurs hommes, ça relève d'une atteinte à la laïcité. Mais des enseignants considèrent que le plus important, le plus urgent dans ces quartiers-là très défavorisés, c'est de garder le contact avec les familles. Donc même les enseignants femmes décident de laisser passer d'une certaine manière, d'accepter cela. Voilà, ils ne nous serrent pas la main, ils serrent la main aux hommes. Bah tant pis, parce que pour nous le plus important en tant que collectif, c'est que ces parents y viennent. Déjà on est content qu'ils viennent, ils ne serrent pas la main, mais ils viennent. Et on en a besoin, parce que s'ils ne viennent plus, eh ben, on ne va pas les gérer, leurs enfants, c'est compliqué, ils sont en difficulté, en échec scolaire, etc. Donc voilà, en gros, là, vous avez une sorte de conflit ou de contradiction entre logique domestique, donc je reste en proximité avec les parents, je tiens à garder le contact, donc j'accepte leurs règles de ne pas serrer la main aux femmes, la règle de certains parents, bien sûr, versus la logique civique qui dirait « Ah non, il faut absolument que les parents ils acceptent les règles de l'institution, même si ça doit nous amener à couper le contact avec ces familles-là, parce que elles vont se braquer, ou je ne sais quoi. » Donc, voilà. Là, c'est vraiment le contexte et la sagacité ou la sagesse pratique, pour parler un peu comme Aristote, en l'occurrence, là, la sagesse pratique, la phronesis, qui est importante, quoi. L'intuition sur ce qu'il faut faire ou pas. Et vous devinez peut-être qu'ici, le collectif va être très important. Un collectif où on peut se parler, où on peut exposer nos visions divergentes, qui vont faire que, bah, on va peut-être pas tomber d'accord, mais au moins, on va trouver une sorte de dénominateur commun sur ce qu'il faut faire. C'est très important, alors que dans les équipes où la parole circule moins bien, où on peut moins s'exprimer de ce point de vue-là, et là, ça peut être un petit peu plus compliqué pour agir dans certaines situations liées à la diversité sociale et culturelle. Alors, nous avons demandé donc aux interviewés de nous faire un discours, de nous faire un témoignage qui est toujours référentiel, référé à des faits et à des situations réelles. Voilà, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous avez fait comme ça? Est-ce que quand vous l'avez fait, quelqu'un est intervenu pour compléter, pour discuter avec vous de cette situation, etc., etc. Est-ce que quelqu'un vous a empêché d'agir? Voilà le genre de questions que nous posions, mais donc qui étaient toujours centrées autour de l'action professionnelle. L'action individuelle et collective. Comment vous avez agi seul, mais est-ce que vous avez agi en équipe, avec quelqu'un d'autre, avec des collègues, la hiérarchie, etc. Et ce corpus a été complété par l'analyse de documents, notamment, quelque chose qui est très précieux, pour ceux qui ont déjà fait des enquêtes en milieu scolaire, c'est les fiches APAE, les fiches d'aide au pilotage des établissements scolaires, à peu près. En gros, c'est des fiches qui donnent la carte d'identité d'un point de vue statistique d'un établissement, qui vous renseigne par exemple sur le taux de succès au brevet pour les collèges à l'époque. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ces fiches? Il y a plein d'informations. Les PCS, très important, les professions et catégories socioprofessionnelles de l'INSEE. Hein, vous avez la catégorie ouvrier inactif, cadre supérieur, employé, etc., etc. Donc ça c'est assez important. Donc on a croisé ces différents types d'éléments empiriques, ce qui nous donne finalement une enquête à la fois qualitative et quantitative. J'avais déjà souligné ça, mais je précise, je parle beaucoup des enseignants, mais on a aussi des chefs d'établissement, des CPE, des AED, des AESH qui ont été interviewés. Et puis, je précise aussi qu'on n'a pas voulu forcément se focaliser sur des situations exceptionnelles. L'ordinaire du travail nous intéressait aussi, mais quand on avait des situations plus exceptionnelles, ça devenait assez intéressant aussi d'un point de vue méthodologique, parce qu'on pouvait croiser les témoignages.
C'est-à-dire, quand quelque chose d'exceptionnel arrive dans un établissement scolaire, je ne sais pas, là, un exemple qui me vient, c'est, voilà, les élèves prétextent une religion, allez, l'islam, et ne veulent pas rentrer dans une église en sortie scolaire. Alors que bah, la visite de l'église, c'est quelque chose qui relève du patrimoine, de l'histoire, et ce n'est pas quelque chose de religieux, mais ils refusent quand même. Donc, comme c'est en sortie scolaire, bah, pas mal de gens sont mis au courant parmi les enseignants, et là on a des conflits d'interprétation, des gens qui disent effectivement là, l'élève ou un groupe d'élèves n'a pas voulu rentrer dans l'église, mais moi je pense que c'est une question surtout de comportement. En gros, c'est l'élève qui balance des boulettes de papier dans la classe, ben, c'est comme par hasard celui qui ne va pas rentrer dans l'église. Donc du coup ça nous donne un indice, son prétexte il est religieux certes, mais en fait c'est pas une question de religion. Et d'autres enseignants qui vont dire, donc on croise les témoignages, qui vont dire effectivement ça s'est passé, les élèves ne voulaient pas rentrer dans une église, mais nous, nous avons une interprétation différente, on pense que c'est vraiment une question religieuse, voire une question vraiment de dogmatisme religieux, et parfois même la catégorie de radicalisation apparaît à ce propos dans les discours. Je vais donner peut-être un exemple par rapport à la radicalisation tout à l'heure, un peu plus fourni. Donc voilà la méthode de croisement des témoignages qui permet de faire surgir les conflits d'interprétation entre professionnels. Alors, je vous liste peut-être, avant de donner quelques exemples, un certain nombre de logiques d'action dans lesquelles les professionnels se situent. Donc ça, c'est beaucoup inspiré de Boltanski et Thévenot, mais un petit peu modifié. Alors, j'avais parlé de la logique domestique. Hein. J'agis ainsi parce que je connais la famille de cet élève et donc j'en déduis que. Mais la logique peut aussi être libérale. Libérale au sens où je fais attention aux singularités, mais je ne vais pas trop loin dans mon interprétation pour savoir exactement de quoi relèvent ces singularités. Donc, par exemple, je remarque que l'élève, il a faim ou il a soif, donc j'adapte mon enseignement en cours de PS, par exemple, course d'endurance. Manifestement, il ne veut pas boire, il ne veut pas manger, il n'a pas mangé de la journée. Bon, j'adapte, je peux changer la notation, etc. Je devine que c'est lié à un jeûne, peut-être le jeûne du Ramadan, peut-être le carême, mais je ne m'engage pas sur ce terrain. Je prends juste en compte le fait la personne a la faim et la soif, terminée. La logique de l'opinion aussi, quand il s'agit notamment de préserver l'image de l'établissement. Alors ça, c'est arrivé dans le cas des phénomènes de radicalisation qui sont en fait documentés par le ministère de l'Intérieur. Hein, la police, en gros, vient voir le chef d'établissement et dit bah, « Vous savez, là, il y a quelqu'un dans votre établissement, un élève, qui est probablement une personne radicalisée. Même si vous ne le voyez pas, il n'y a pas de problème, mais nous, on vous le dit, il y a des indices qui le signalent. Et là, c'est important de préserver l'image de l'établissement, c'est-à-dire de faire en sorte que le travail éducatif puisse se faire néanmoins et que l'établissement ne soit pas sous le feu des projecteurs médiatiques, comme quoi, voilà, ici, vous avez un radicalisé, parce que ce n'est pas bon pour l'image, déjà, c'est pas en termes ensuite de recrutement d'élèves futurs, ce n'est pas forcément très bon, ça peut un peu braquer les familles, mais après, la raison principale, c'est de garder prise de garder prise sur le travail éducatif sans se faire déborder par des questions médiatiques ou des questions qui relèvent de la sécurité intérieure et qui donc ne relèvent pas des compétences des professionnels de l'éducation. Ensuite, la logique civique, j'en ai un petit peu parlé, hein, c'est quand on cherche à ne pas connaître justement les singularités de l'élève afin de traiter tout le monde à égalité. Donc cette logique civique, elle est quand même très prégnante dans les établissements français, notamment les établissements publics. Alors, ce qui est important aussi d'un point de vue méthodologique, décidément je suis un peu long sur la méthode, mais ça me semble quand même très important, c'est de prendre en compte le fait que les professionnels ont des compétences critiques. Ils savent justifier leurs actions, ils peuvent aussi contester l'action d'autres professionnels, mais ça veut dire que dans tout ça, le sociologue, le chercheur, lui, il n'a pas de compétences critiques particulières. Il ne défend pas une logique d'action particulière.
Nous, notre boulot, c'est surtout de voir les compétences des acteurs eux-mêmes, sachant que parfois, leurs compétences sont tout aussi aiguisées que celles des chercheurs. En fait, c'est ça, si vous voulez, le geste, pour aller vite, de Boltanski-Thévenot par rapport à Bourdieu. Bourdieu, c'est un sociologue qui disait « je vais dévoiler la réalité parce que j'ai une réflexivité sociologique qui le permet », alors que les acteurs sont dans une certaine forme d'illusion. Et Boltanski et Thévenot, ils disent, ils sont post-bourdieusiens d'une certaine manière, et disent « oui, mais non, en fait, le sociologue, il n'a pas des compétences critiques beaucoup plus aiguisées que les acteurs. Aujourd'hui, en plus, les acteurs eux-mêmes, les professionnels de l'éducation, par exemple, peuvent utiliser des arguments sociologiques pour justifier leur action. Par exemple, le capital culturel de Bourdieu, ça revient beaucoup dans les entretiens. » Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est toujours dans cette idée de ne pas plaquer une interprétation de chercheur sur la réalité et donc notamment ici sur les compétences critiques que les acteurs, dont les acteurs sont dotés. Alors, un des résultats de notre enquête assez transversale, c'est que les professionnels se saisissent de catégories publiquement disponibles assez souvent. Par exemple, ça se voit très bien dans le fait qu'il y a une grande porosité entre le débat public, médias, actualités politiques et les justifications de l'action. Par exemple, la catégorie de radicalisation, elle revient pas souvent, mais assez fréquemment quand même, dans le contexte 2001-2016, dans les justifications des acteurs. Même si les phénomènes en question ne relèvent pas forcément de la radicalisation, c'est pas documenté forcément. De même, la catégorie harcèlement, qui est très disponible dans le débat public, qui est très mobilisée par l'institution Éducation nationale, et les professionnels vont souvent utiliser cette catégorie harcèlement pour traiter de situations qui relèvent plutôt des discriminations. Mais la catégorie discrimination, elle est moins valorisée aujourd'hui par l'institution. Du coup, c'est la catégorie harcèlement qui vient en premier. Donc voilà, en gros, un des résultats, c'est cette donc porosité entre le débat public, les catégories institutionnelles et les catégories utilisées par les acteurs sur le terrain. Et puis ensuite, à partir de ces éléments-là, nous avons élaboré une grille de codage qui essaye de prendre en compte toute la complexité du travail. Donc cette grille de codage, elle comprend quatre catégories. D'abord, on s'est demandé, en analysant les entretiens, comment la personne interprète la situation initiale. Est-ce qu'elle interprète ça, par exemple, comme une idéologie parentale? Prenons la question du racisme. Voilà, il y a une expression raciste, mais d'où ça vient? Comment le professionnel, il voit cette expression? Est-ce qu'il voit ça plutôt comme de la bêtise, de la naïveté, ou plutôt comme vraiment une idéologie politique, ou encore comme quelque chose qui est répété depuis la famille, parce que les parents le disent, donc l'élève le dit. Voilà. Vous voyez, quand vous avez une expression raciste, par exemple, ben voilà, vous avez plein de possibilités pour interpréter ce phénomène. Parfois également, les expressions racistes sont interprétées comme un effet du territoire. En milieu rural, assez régulièrement, les professionnels nous expliquent, ben voilà, c'est raciste, c'est triste, il faut lutter contre ça. On prend ça en compte, mais il faut quand même voir que c'est parce que, entre autres, on est dans un territoire enclavé, enclavé en milieu rural, où les élèves n'ont pas l'occasion de croiser une mixité de ce point de vue-là. Et donc, forcément, ils disent des bêtises. Mais on ne va pas les sanctionner non plus pour ça. On va plutôt faire une pédagogie du temps long, proposer un travail éducatif à moyen terme, en tenant compte de cette fermeture culturelle. D'ailleurs, ici aussi, l'idée de capital culturel faible, elle apparaît beaucoup dans les discours des professionnels. Voilà. Parfois également, des paroles racistes qui sont interprétées par les professionnels comme une provocation. Je pourrais peut-être vous donner un exemple tout à l'heure. Des élèves en conflit qui... Alors, il faut peut-être que je développe cet exemple tout de suite, sinon ça va être mal compris. En gros, en milieu rural, une élève vient d'un milieu urbain
et essaye de faire la leçon aux bouseux, on va dire. Elle utilise le terme, les enseignants aussi l'utilisent, donc je l'utilise aussi. Elle les traite, hein, elle les méprise un petit peu, voilà, en tout cas selon certains enseignants. Et du coup, les élèves, ils vont la provoquer en disant des choses qu'il ne faut pas dire. Et toute la sagacité du professionnel ici, c'est de voir que l'expression raciste, elle n'est pas forcément le reflet d'une idéologie, elle l'est peut-être aussi, mais c'est d'abord un problème de conflit entre rural et urbain. Voilà, ils se sentent méprisés, ils veulent qu'elle s'adapte un petit peu, parce que quand même, elle arrive dans notre campagne, on va dire, dans notre petit village, dans notre petite ville, mais elle ne veut pas s'adapter, elle nous fait la leçon, donc on réagit avec des paroles du type il faudrait aller à la mosquée pour leur donner une leçon aux musulmans, etc. etc. Bon, alors, c'est très difficile de dénouer ce genre de situation, parce qu'effectivement, c'est des paroles qui sont graves, mais d'un autre côté, si on les traite de manière faut pas être raciste, ça va pas marcher. Il faut aussi dénouer le problème de conflit rural-urbain qui se pose ici. Voilà. Pour plus de détails et de nuances, ouvrez le livre. Ensuite, donc ça c'est pour les situations, comment ils interprètent les situations. Deuxième question, quelles stratégies ont été utilisées par les professionnels dans ces situations? Parmi les stratégies qu'on a pu constater, il y a par exemple la stratégie d'adaptation. On adapte le programme pédagogique, alors par exemple une enseignante de français qui constate qu'il y a des conflits entre élèves et donc elle va alors des conflits aussi d'ordre raciste avec des paroles du type « toi t'es portugais, t'es un maçon, toi t'es maghrébin, t'es le couscous », des choses comme ça. Et donc elle a une stratégie d'adaptation en faisant dans son cours une activité théâtre. Et ça marche assez bien apparemment, parce que dans cette activité théâtre, les élèves en profitent pour dire ce qui se passe en off, dans la cour, dans les couloirs, et pour dire que y a certaines paroles dont ils sont victimes, des paroles racistes, qui posent problème, et ça permet de dénouer la situation. Alors qu'une intervention de l'enseignant directement, ça n'aurait pas forcément porté ses fruits. Vous le savez, c'est assez compliqué d'intervenir comme ça dans les relations entre élèves. Ensuite, une autre stratégie, celle de l'anticipation. Ça nécessite beaucoup le collectif de travail. Par exemple, une enseignante novice qui arrive dans un REP plus avec des élèves qui manifestement veulent tester les nouveaux enseignants. Donc, quand elle arrive, les enseignants, ses collègues lui expliquent « Ok, tu viens d'arriver, tu es prof de musique, à un moment donné dans le programme il y a le gospel, prépare-toi, ils vont sûrement dire qu'ils ne veulent pas le chanter parce que c'est chrétien et qu'eux sont musulmans, par exemple. » Et donc, t'inquiète pas, en fait, c'est juste pour te tester, ils vont chanter, il faut que tu sois ferme là-dessus, et c'est pas une question religieuse, c'est vraiment, d'une part, une question de tester l'enseignant, mais d'autre part aussi, c'est une façon de questionner la laïcité et de parler de laïcité. Parce que, en fait, d'une certaine manière, si vous dites « je ne chante pas le gospel parce que c'est pas neutre, parce que c'est chrétien », certes, c'est pas laïque de dire ça, mais ça veut dire que vous avez quand même compris un petit morceau de la laïcité, qu'il faut séparer les deux. Après, on explique bien sûr aux élèves qu'il s'agit d'un cours de musique, donc même si c'est chrétien, c'est pas de la religion, quoi. C'est du savoir. Mais n'empêche, les élèves, en provoquant de cette manière-là, d'une certaine manière, ils ont compris un petit morceau de la laïcité, ils commencent à se questionner, donc c'est plutôt positif. Donc là, ça nécessite, pour avoir ce genre d'approche, vraiment une intervention du groupe professionnel, ce qui permet donc l'anticipation de ce genre de situation. Donc voilà pour la stratégie anticipée. Et puis aussi une stratégie qui consiste à éviter, oui, parfois les enseignants évitent certains sujets parce qu'ils considèrent que ça risque de poser certains problèmes. Seulement, nous on remarque, parce qu'on a travaillé sur le temps long dans les établissements scolaires, on remarque que quand il y a une stratégie d'évitement de ce type, c'est pas vraiment un évitement pour de bon, c'est plutôt un évitement à court terme pour revenir d'un point de vue éducatif sur le problème à plus long terme, avec le collectif. S'il est présent, parfois il est moins présent et c'est plus difficile de travailler dans ce cadre-là.
Ensuite, les ressources. Troisième dimension de la grille de codage, les ressources mobilisées dans les situations. Alors parfois l'institution, ça peut être un conseil de discipline, ça peut être en parler au chef d'établissement, etc. Souvent la discipline est très importante. La discipline lettre pour parler des émotions, la discipline histoire-géographie pour expliquer ce que c'est que la laïcité, par exemple. Et d'autres ressources qui nous ont peut-être un peu plus surprise d'une certaine manière, les ressources corporelles, le fait d'être un homme ou une femme, des élèves qui ne reconnaissent pas l'autorité des femmes et donc les enseignantes ou CPE femmes qui sont obligées de faire intervenir un homme afin d'avoir de l'autorité. Donc ressources corporelles, le fait d'avoir un corps de femme ou un corps d'homme d'une certaine manière. Voilà, je pourrais éventuellement préciser ce type d'exemple si vous le souhaitez pendant la séance de questions. Et puis la quatrième dimension de la grille de codage, c'est les logiques d'action dont je vous ai parlé tout à l'heure, civiques, domestiques, de l'opinion, etc. etc. Voilà. Alors, je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps. Ah oui, j'ai passé un certain temps. Je suis désolé d'avoir passé un certain temps. Je n'avais pas prévu ça. Je pensais aller plus rapidement sur les exemples. Bon, je vous donne quelques exemples. Alors, d'abord lié à la discipline de la discipline des enquêtés. Cet exemple va mobiliser une enseignante d'histoire-géographie qui accueille avec ses collègues une rescapée d'Auschwitz et qui a un tatouage, comme les gens qui étaient à Auschwitz, sur l'épaule. Et un élève pose la question de savoir si ce tatouage, il est vrai. Et donc là, conflit d'interprétation. Est-ce qu'il est négationniste, cet élève, ou est-ce qu'il pose une question d'histoire ? Sachant que les professeurs aussi disent souvent aux élèves qu'il faut avoir un esprit critique, il faut se poser des questions. Et donc, d'une certaine manière, l'élève, il est en train de faire ce qu'on lui demande. Donc, pour donner plus de chair à cet exemple, je vous donne un extrait de verbatim. C'est l'enseignante d'histoire géo qui parle ici. Elle dit « Une rescapée d'Auschwitz était intervenue dans l'amphithéâtre. J'ai un élève qui a levé la main et qui m'a demandé si cette dame, ancienne déportée et témoin, était vraiment allée à Auschwitz et si son tatouage était vrai. J'ai pris le temps de lui répondre. Toutefois, le problème est survenu plus tard en salle des professeurs. Parce que j'ai raconté l'anecdote, j'ai eu deux collègues qui, contre mon avis, sont allés voir le chef d'établissement pour dire qu'il y a eu des propos négationnistes. L'élève a été reçu par la direction. Mais il n'avait même pas les billes pour être négationniste. C'était vraiment de la curiosité, fait avec très peu de tact, mais en même temps, il était dans le questionnement. C'est une démarche historique. Il a été collé et il a dû écrire une lettre d'excuse au professeur qui avait organisé la rencontre. Même à moi, cela n'avait aucun sens. Voilà le genre de situation qui est présente dans le livre que je vous invite à lire donc. Mais vous voyez, ce qui est assez intéressant dans cette situation, c'est qu'il y a tout un processus collectif qui se met en place et l'enseignante se voit destinataire d'une lettre d'excuse pour des propos qu'elle considère comme n'étant pas des propos, comme étant certes des propos très maladroits, mais comme n'étant pas des propos sanctionnables qui appelleraient des excuses. Je vous donne un autre exemple peut-être lié cette fois au territoire. Alors attendez, discipline. Ouais. Allez, un exemple lié au territoire, page 142, milieu rural, un enseignant d'histoire-géographie en collège explique les manifestations de racisme et essaye de montrer comment il agit dans ces situations-là. Il dit « À Londres, l'an dernier, on a bien senti pour certains élèves qu'ils avaient peur d'y aller dans ces familles-là. L'aspect des personnes qui allaient les accueillir leur faisait peur.
3-4 familles au moins. Ils avaient une méfiance. Je pense que c'est du racisme. On ne peut pas dire que ce n'est pas du racisme. Mais c'est du racisme inconscient, ce n'est pas conscient, c'est inscrit, et ce n'est pas une volonté de violence de la part des gamins. Mais quand même, des réflexions où il les comparait à des animaux. Question de l'intervieweur, donc c'est un peu agressif quand même. Réponse, oui, mais quand les membres de ces familles ne sont pas là, hésitation, donc il a fallu quand même revenir sur ces termes-là. Pour certains élèves, ça leur fait mal quand il y a cette différence qui arrive devant eux. Alors, que dire de cet exemple? On pourrait dire beaucoup de choses. Peut-être que vous avez envie de réagir sur ce type d'exemple, ça m'intéresserait beaucoup. Mais ça montre quand même la complexité du travail, le fait que les enseignants ici, l'enseignant en question, essaye de lutter donc contre le racisme, mais qui choisit une stratégie de la pédagogie du temps long qui est assez souvent mise en œuvre en milieu rural. Voilà, où des chefs d'établissement aussi en milieu rural expliquent qu'on ne peut pas être frontal en leur disant à ses élèves qu'il ne faut pas être raciste parce qu'ils risquent de comprendre que c'est des professeurs, donc plutôt des gens de la ville, qui viennent expliquer aux gens de la campagne c'est quoi la bonne morale. Et surtout, peut-être, qui viennent expliquer que finalement, vous, les gens dans la campagne, vous avez une éducation qui n'est pas bonne. L'éducation que vos parents vous ont donnée n'est pas bonne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça qui peut braquer les choses et donc qui conduit certains professionnels à avoir des stratégies, disons, d'évitement. Ils disent clairement qu'ils laissent passer certaines paroles, mais pour mieux agir ensuite sur le temps long.